à tous et bienvenue dans I am an Air Traffic Controller 4. Je vais vous présenter aujourd'hui le terrain de Naha, qui est une extension du jeu. Je vous avais déjà présenté Tokyo Haneda sur la version de base du jeu. Aujourd'hui, on va découvrir Naha. Alors, je commence à faire quelques petits stages là. On va être au stage 2. On va voir ce que l'on a. Faire attention au pushback, piste de décollage. Ok, donc il va falloir faire attention à ça. Donc ce jeu, c'est vraiment un jeu que je trouve plutôt sympa. Alors graphiquement, c'est pas le jeu de l'année, hein. C'est vrai que c'est assez basique. Bon, les avions, l'aéroport en lui-même sont plutôt bien faits. Les textures sont quand même assez classiques. Je pense qu'il pourrait faire un peu d'effort sur les textures. La ville en arrière-plan, c'est pas terrible. Mais c'est pas le but premier du jeu. C'est vraiment de retranscrire une ambiance d'aéroport et de contrôle aérien. Et ça, là-dessus, le jeu y arrive plutôt bien. Alors la particularité de Naha, comme on va le voir, c'est qu'il y a des avions militaires, et notamment des F-15. Ça va être simple. Alors on va lancer ça. Donc on a lui qui est en finale ici. Lui, il va sur quelle piste il va là. Donc un terrain un peu différent de Tokyo Haneda. On n'a pas de pistes croisées, on a des pistes parallèles, ce qui va être déjà normalement un peu plus simple à gérer. Donc c'est un peu plus standard. Et surtout avec le trafic militaire, je pense qu'il y a moyen de voir un petit décollage de F-15 ou un atterrissage, on va voir. C'est que là, ben justement, on ne gère pas le delivery, ni le départ, ni l'arrivée, ni l'approche. Ça risque d'être un peu plus simple. Mais il faudra faire attention au plan de roulage. Lui, il va là. Lui, il va partir sur la piste 18 droite. Donc il va traverser celle-là. Donc il n'y a pas de souci, il peut rouler. Il faut juste faire attention au moment où il va traverser. Lui d'abord. Donc on a plusieurs parties. Hein. Partie régionale ici. Parking. Avion, liner, avion moyen, et là-bas on a du cargo. Lui il se pose sur la 18 gauche, donc lui il se pose sur la 18 droite. Alors Cadena, c'est un terrain qui est à l'extérieur, il est par ici. Donc c'est une base militaire où il y a du F-15, du P-3 Orion, parce qu'il décolle. Alors on l'aura pas puisqu'on ne gère pas le DEP ni l'approche. Contact number 118.2. Contact number 118.2.
n'y a pas de souci, on va pouvoir le faire décoller puisque lui il se pose sur la 18 gauche, mais on va décoller sur la 18 droite. Et encore moins, il n'y a pas de souci. On peut l'autoriser. Alors on va aller voir un petit peu. Après, il y a le parking militaire avec du P3 en rayon ici. J'espère qu'on va avoir un petit F-15, hein. Au décollage, au break, ça serait sympa, parce qu'il fait des... les F-15 font des arrivées au break. Il y a eu un sur le stage précédent, hein. C'est sympa de revoir des arrivées au break, ça me rappelle le contrôle aérien dans l'armée. Graphiquement, c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais au niveau de l'ambiance, moi je trouve l'ambiance qui est très sympa. Bon, la musique, on peut s'en passer, mais l'ambiance de contrôle aérien et d'aéroport est vraiment très chouette. C'est vraiment un jeu que je recommande aux jeunes qui veulent découvrir un peu le contrôle aérien. C'est vrai que pour ça, il est vraiment pas mal du tout. La radio se fait en anglais, vous avez vraiment des trajectoires de départ, des seeds, si vous pouvez aller voir sur le manuel du jeu, vous avez les cartes avec les routes d'arrivée, les routes de départ. Pareil, vous avez la carte du terrain avec les noms des taxiways, alors au final qu'on utilise assez peu. Charlie 2, Juliette 1. Charlie 2, c'est ça. Juliette 1, c'est derrière ici. Au final, il se pose sur là. On va attendre avant de traverser, hein, celui-là. Sinon, ça va faire des nuisances sonores. Je me comprends. Le boom, ça fait du bruit. Ça décolle à Cadena. Tout est fait pour qu'il traverse quasiment au même moment dans le scénario. Super,
Bon, c'est plutôt calme comme session. Je vais partir à lui qui est un peu plus à la bourre. Taxi buyer, Charlie 1 Alpha, runway 18 left. Red Air 733.
va le shooter à la tour. Short of runway. Une restriction d'altitude, je pense c'est utile. Il ne fait pas que la trajectoire est droite. Fast test exit dans la réalité, on leur parle pas tant que c'est pas contrôlé. Hein. Il y a SART à 3 de torture. Et il y a quoi? SART à 3. Frame, perfo, ça va pas s'arrêter. De toute façon, après, c'est le départ que j'ai. Beau 777-200. Le même que le MH370. Qui décolle, ça c'est sympa, c'est un beau bruit. J'espère qu'on va entendre le bruit d'un avion de chasse, ça serait sympa. Est-ce qu'on va loin? On va pas être bien loin. Hein. Avec l'approche. C'est quand même très calme. Il arrive sur quelle piste? Là, à droite. Ok. C'est là, ce qu'on entend, c'est la fréquence de Cadena. Un scramble, un décollage sur alerte. Alors, c'est vraiment pour ça que je voulais vous montrer un petit peu cet add-on. Voir un peu du chasseur, ça fait du bien.
attendre le décollage. Oui, sympa. Donc lui il se pose sur la gauche, la droite, donc pas de soucis, hein, je peux déjà l'autoriser. On va attendre. Laissez passer le F-15 sur alerte, on va pas le retarder trop. Je pourrais le traverser derrière. Sur la droite, je peux l'autoriser. Continue approach. Now we are right. Techno Air 994. Runway 763. Cross runway. Cross runway. Techno Air 994. Now we are right. On a le temps de le faire croiser le temps que lui en monte. Now we are right. Clear to run. Techno Air 994. Request pushback. We have information. India. Après, il roule vite, hein. On voit qu'il est un peu pressé. Parce que ouais, sinon ça va faire face à face, on va éviter. Je crois que c'est qu'un taxiway, ouais, on va éviter, on va attendre. Allez, du bruit, du bruit. Un peu vite le son. Ah, ça fait du bien. Bye bye. Donc lui, il faut que j'attende de croiser avec lui là. Pour l'instant, parce que lui, il va là. Si je le fais repousser, c'est face à face et je peux pas passer ailleurs. C'est un peu mal fichu ce parking. Alors il prend la dusine gauche, très bien. Allez, c'est bon. Il nous reste 3 minutes là avant la fin de la session. Bon, ben, ça a été relativement paisible. Bon, il y a des endroits où il fallait faire attention au croisement, ouais, comme il disait. Bon, on aura eu au moins un décollage d'un chasseur. Runway 18 left. 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 Run
Spoiler, reverse. Bon, voilà, d'ici 20 secondes sera terminée la partie. On est resté dans le vert hein, au niveau de l'efficacité, donc c'est cool. Pas de risque. On devra avoir, je pense, le max de points. Voilà un peu pour cette présentation de Naha. L'aéroport plutôt sympa, moi j'aime bien vraiment ce côté mixité de trafic civil et militaire. Très sympa. Donc je vous recommande si vous aimez bien un peu les deux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Peut-être même décider de passer à ce simulateur Iron Air Traffic Controller 4 que vous trouvez sur Steam à une trentaine d'euros. Très sympa comme jeu, c'est vraiment au niveau de l'ambiance aéroportuaire ce que je trouve le mieux réussi. Voilà. Je vous dis à bientôt.